maintenant, Monsieur Mill, nous allons écouter une jeune fille qui a vraiment une des plus jolies sourires que je connais. Son nom est Dani. Elle chante une chanson qui fait... Voilà, c'est ça, sans astérix. C'est du grec que nous vient le X, comme vient le mot astérix. Puis les Grecs inventèrent les Grecs, mais c'est pas sur le même disque. Qui bouge ou caille ou genou, au pluriel ça prend un X sans astérix. Vous me direz qu'il y a le Z, mais je ne suis pas jalouse. J'aime le X, un peu moins le Z. Jouons le 10, c'est pas le 12. Qui bouge ou caille ou genou, au pluriel ça prend un X sans astérix. Les gimmicks, il en faut un Mac. Chi chi chi, elle a gagné. Avec l'X, on est plus relax. On peut toujours inventer. Qui bouge ou caillou genou, au pluriel ça prend un X sans astérix. Oui mais nous, pas besoin de grammaire. On se sert pas de tout. On ne fait qu'un toi et moi. Il bouge ou caille ou genou, au pluriel ça prend un X sans astérisque. Astérisque, vous n'êtes qu'un signe, vous n'êtes qu'abréviation. C'est pourquoi, virgule à la ligne, je termine ma chanson. Il bouge ou caille ou genou, au pluriel ça prend un X sans astérisque. Il bouge ou caille ou genou.